Eso, Ignacio, te has pasado cinco minutos, pero bueno, te lo perdonamos. Ahora nos va a hablar la doctora Martín Mañ, a la que quiero pedir perdón por mi pronunciación. Es la médica coordinadora y directora de un importante servicio de prevención. Hay 33 participantes en la Sociedad de Medicina del Trabajo de Aquitania y ella ha participado y ha coordinado un estudio entre trabajadores expuestos al polvo de madera, trabajadores del régimen general y autónomos expuestos al polvo de madera para la detección y prevención precisamente de los cánceres nasales. Han seguido a 13.000 trabajadores, a los cuales se les ha aplicado, que ya nos explicará seguramente, un cuestionario y, en función del cuestionario, una nasofibroscopia. Un estudio muy interesante del cual esperamos que nos, bueno, que nos comente cómo ha ido. Muchas gracias, Martín. Alors, bonjour mesdames, messieurs. Je suis très heureuse de me retrouver ici où nous avions signé le partenariat entre nos sociétés de médecine du travail respectives il y a quelques années maintenant. Je vais vous parler tout d'abord des recommandations poussières de bois qui ont été élaborées par la Société française de médecine du travail selon le protocole de la Haute Autorité de Santé. Et ensuite, je vous parlerai du protocole Serbois. Ce protocole est en partie destiné à valider l'utilisation de la nasofibroscopie comme diagnostic précoce des adénocarcinomes liés aux poussières de bois. Et c'est ça, il a une autre dimension, puisqu'au travers de ce protocole, une étude épidémiologique de grande dimension qui concerne 13 000 salariés a été initiée. Donc nous allons commencer par parler des recommandations. Alors, au niveau des constats, les données des enquêtes Summer 2002 et WOODEX 2004 ont montré en France que 500 000 travailleurs étaient exposés ou avaient été exposés aux poussières de bois, qu'ils se répartissent entre 300 000 actifs et 200 000 retraités. Non, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit que la dimension dépasse le milieu de travail, que ces études dépassent le milieu de travail. L'étude WOODEX 2004 donne des niveaux d'exposition selon l'activité. On voit que dans la première transformation du bois, les niveaux d'exposition sont supérieurs à la limite de 1 mg mètre cube, qui est la valeur réglementaire en France, dans près de 50% des cas. L'exposition est encore plus élevée dans la construction navale et la fabrication d'objets en bois. Donc on voit que si on prend l'abattage, les niveaux d'exposition sont rarement au-dessus du milligramme, que dans le sillage, on considère qu'on dépasse le niveau d'un milligramme dans 42% des cas, que en ce qui concerne la fabrication des panneaux dérivés du bois, on a 53% au-dessus du milligramme. Pour la menuiserie industrielle, 48% au-dessus du milligramme. Dans l'ameublement, 51% au-dessus du milligramme. 85% dans la construction navale. Et aussi un taux très élevé au niveau de la fabrication d'objets en bois. Ces études, effectivement, ne tiennent pas compte de la nature du bois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence au niveau des études qui ont été réalisées et de tout ce que l'on a fait dans ce travail entre les bois durs et les bois tendres, parce que la poussière produite par ces bois, de toute façon, est différente et que la quantité de poussière est un très très bon marqueur du niveau de risque, en fait. Sur le plan clinique, l'incidence annuelle des cancers des cavités nasales et des sinus de la face est estimée en France entre 0,5 et 1,5 pour 10 000 habitants. On retrouve dans 80% des cas une exposition aux poussières de bois. C'est un petit peu ce que vous avez démontré tout à l'heure.
Par contre, seulement 80 cas par an sont reconnus au titre des maladies professionnelles, tout régime confondu, c'est-à-dire pour chez nous, régime agricole et régime général, ce qui laisse penser qu'il y a une sous-déclaration très importante de ces maladies professionnelles. Jusqu'à présent, le diagnostic tardif à un stade TNM avancé s'accompagne d'un mauvais pronostic. Plusieurs ORL ont travaillé pour essayer de voir comment se développait cette tumeur et ont constaté un démarrage de la tumeur dans la fente olfactive. Or, cette fente olfactive est visuable par nasofibroscopie. Cet examen peut faire espérer une amélioration du pronostic par le fait d'un diagnostic précoce. Les recommandations prennent en compte ce principe. Donc, les recommandations, il y en a 12, je vais vous les présenter. Donc, la première recommandation, c'est la prévention primaire. Le principe de base de la prévention est effectivement de réduire l'exposition. Dans le cas des poussières de bois, supprimer la substance cancérogène, c'est impossible. Donc, le principe de base, c'est respecter dans un premier temps la prévention primaire. Et donc, il faut que le médecin du travail, lorsqu'il va dans les entreprises, dans le cadre de son activité de terrain, rappelle à l'entreprise qu'elle doit mettre en œuvre tout ce qui est possible pour réduire l'exposition à un niveau, si possible, en dessous de la valeur limite contraignante française, qui est 2 mg par mètre cube, mesurée sur 8 heures de travail. Techniquement, c'est contraignant, 1 mg mètre cube. Hein, on était avant à 5 mg mètre cube. Pour descendre à 1 mg mètre cube, c'est très contraignant, effectivement. Les mesures de prévention collective doivent être prioritaires et suivre les préconisations des organismes de prévention. Lorsque la protection individuelle s'avère nécessaire, elle fait appel évidemment à des équipements de protection respiratoire qui sont conformes aux recommandations de l'INRS. La responsabilité de l'employeur est engagée conformément aux règles du Code du travail. Cette première recommandation a un niveau d'avis d'expert. L'avis d'expert, c'est les labellisations HAS. Hein. L'avis d'expert, c'est lorsqu'en absence de données scientifiques disponibles, on a l'approbation d'au moins 80% des membres du groupe de travail. Donc on est ici sur un avis d'expert. La deuxième recommandation concerne l'information des salariés sur les risques. Il est recommandé que lors de l'examen médical d'embauche et lors des examens médicaux ultérieurs, le médecin du travail vérifie et complète l'information du salarié sur les risques inhérents à l'exposition aux poussières de bois. Un document d'information sur les risques de cancer liés à l'exposition aux poussières de bois et sur les moyens de prévention doit lui être remis. Le document de l'INRS peut répondre à cette demande. Il faut s'assurer que le salarié a bien compris ce qu'on lui a dit. Et cette recommandation doit s'appliquer à toute personne exposée aux poussières de bois, donc également aux apprentis et les médecins scolaires chargés du suivi des lycéens de la filière professionnelle bois ont la même contrainte. Ça, c'est important parce qu'en fait, ces jeunes peuvent après échapper à la filière et on peut oublier que ces personnes ont été exposées très jeunes aux poussières de bois et ça peut être très gênant pour le suivi ultérieur. Cette recommandation a aussi obtenu un avis d'expert puisqu'il n'y a pas de document scientifique sur ce sujet.
La troisième recommandation est toujours de l'information du salarié et elle concerne son suivi médical. C'est-à-dire qu'il faut que lors de l'examen médical d'embauche et des examens ultérieurs, on explique aux travailleurs les modalités qui seront mises en place pour sa surveillance médicale. C'est-à-dire l'objectif des examens qui seront faits, le contenu, les périodicités, les examens complémentaires et surtout la notion de suivi post-professionnel. Et il faut le leur expliquer quand on les voit au moment où ils sont exposés, parce qu'on peut les voir en embauche et ne jamais les revoir. Et on peut avoir des gens, si on ne fait pas l'information, qui n'auront pas l'information par la suite. Or, le suivi post-professionnel, il doit être déclenché dès l'exposition connue, en fait. Hein. Il faut aussi leur expliquer les symptômes qui doivent amener à consulter, en dehors des examens périodiques programmés, et ce sont les symptômes que l'on a vus tout à l'heure. Effectivement, les gens exposés aux poussières de bois doivent savoir que si une obstruction chronique s'installe, une rhinorrhée, des épistaxites à répétition, ils doivent consulter. Toujours pareil, il faut tracer les informations qu'on donne, donc cette information doit être reprise dans un document écrit. Cette recommandation a également obtenu un avis d'expert. La quatrième recommandation concerne la traçabilité des expositions. Il est recommandé d'assurer le repérage et la traçabilité des données individuelles d'exposition. Le premier point, c'est le repérage des expositions actuelles, au moment où on voit la personne, aux poussières de bois, doit être effectué par l'employeur. Et la traçabilité des données individuelles d'exposition doit être mentionnée sur la fiche individuelle d'exposition. Cette fiche doit être rédigée par l'employeur, doit être transmise au médecin du travail et aux salariés. On sait que c'est très difficile hein, d'obtenir ce type de document et que l'on est toujours en difficulté, malgré la réglementation, pour que les employeurs donnent bien les niveaux d'information nécessaires aux médecins du travail sur les niveaux d'exposition. Afin d'adapter la surveillance médicale en fonction de l'âge du début d'exposition, de la durée et de l'intensité d'exposition, il est recommandé au médecin du travail d'enregistrer dans le dossier de médecine du travail les données d'exposition aux poussières de bois. C'est-à-dire qu'il va enregistrer les expositions que lui donnera l'employeur, mais aussi les expositions dont il a connaissance hein, par ailleurs. Par la métrologie qui a pu être faite ou des éléments scientifiques qu'il a pu collecter comme l'enquête WDEX par exemple qui permet d'avoir des niveaux d'exposition en fonction des activités. Toujours en ce qui concerne la traçabilité des expositions, pour les expositions passées, quel que soit le métier actuel, afin d'adapter la surveillance médicale en fonction de l'âge au début de l'exposition, de la durée et de l'intensité de l'exposition, il est demandé au médecin du travail d'enregistrer dans le dossier de médecine du travail les données d'exposition aux poussières de bois. Ces données doivent être reconstituées à l'aide de questionnaires inspirés de ceux utilisés en épidémiologie, reprenant les secteurs d'activité, les métiers, les postes de travail et les tâches réalisées et si possible le type de machine. Elles comprendront notamment les périodes d'emploi et d'interruption utiles au calcul des paramètres d'exposition. Les données métrologiques seront également notées. Bon, on est tous conscients que c'est très difficile pour nous d'avoir tous ces éléments qui sont pourtant, c'est vrai, indispensables si on veut faire de la traçabilité et si on veut faire un bon cursus laboris. Hein, c'est très important d'avoir ces éléments.
toujours la traçabilité parce que c'est la chose, c'est très compliqué, et ça, toute la surveillance va en découler. Cette description des expositions actuelles et passées permettra au médecin du travail de compléter l'attestation d'exposition au départ du salarié. Cette attestation d'exposition doit être délivrée par l'employeur. Elle permet la continuité du suivi médical en post-exposition et en post-professionnel. Mais les employeurs ne la font pas toujours. Donc, à défaut, le médecin du travail rédigera une fiche de liaison pour le médecin généraliste. L'important, c'est que le salarié puisse bénéficier d'un suivi post-professionnel ou d'un suivi post-exposition. Cette traçabilité individuelle des expositions permettra également d'améliorer le niveau des connaissances dans le cadre d'études épidémiologiques, ce qui représente un intérêt collectif pour nourrir un peu nos niveaux d'exposition et nos niveaux de valeur, effectivement. Cette recommandation concernant la traçabilité a également obtenu un avis d'experts. Alors, la cinquième recommandation fixe les modalités de suivi médical. Le suivi médical des travailleurs du bois. Il est recommandé que pour tous les travailleurs actuellement exposés aux poussières de bois ou qui l'ont été dans le passé, le médecin du travail recherche systématiquement, lors de l'examen médical périodique, une symptomatologie évoquant un processus tumoral nasosinusien. Une fiche spécifique renseignée par le médecin du travail est conservée dans le dossier médical, c'est-à-dire la fiche clinique que l'on a vue tout à l'heure. Il est recommandé de faire une fiche clinique en renseignant signes présents ou non et de la conserver dans le dossier médical. Cette recommandation a également obtenu un avis d'expert. Alors, la sixième recommandation est la suivante, concerne effectivement les examens médicaux. Jusqu'à présent, en France, le suivi des travailleurs de bois relevait d'une surveillance médicale renforcée. Et dans cette surveillance médicale renforcée, l'élément diagnostique, c'était le scanner, enfin, la radiographie des sinus, même au début, la radiographie des sinus, voilà. Et donc, la recommandation numéro 6, c'est il n'est pas recommandé de faire une radiographie des sinus dans le cas du diagnostic précoce d'un adénocarcinome nasosinusien, ni dans le cas du dépistage de cette maladie chez un sujet asymptomatique en raison de la faible sensibilité de cet examen. Effectivement, il a été prouvé que ce type d'examen ne conduisait qu'à du diagnostic très tardif et donc ne présentait pas d'intérêt dans le cadre du suivi. Cette recommandation a obtenu un grade B au niveau des recommandations de la HAS, c'est-à-dire qu'il y a une présomption scientifique. Il y a eu suffisamment d'essais comparatifs randomisés, mais d'une puissance pas suffisante pour obtenir le grade A. Et des études de cohorte, des études comparatives non randomisées. Donc, on est en grade B. Donc, niveau de preuve scientifique, présomption scientifique au niveau de cette recommandation. C'est d'ailleurs par rapport à cette présomption scientifique que l'étude Serbois a été montée pour valider la nasofibroscopie. La septième recommandation concerne l'examen tomodensitométrique des sinus, le scanner. Donc, il n'est toujours pas recommandé de faire un examen tomodensitométrique des sinus dans le cas du diagnostic précoce d'un adénocarcinome des fosses nasales et des sinus, ni dans le cas de son dépistage chez un sujet asymptomatique, toujours en raison de la faible spécificité de cet examen, qui conduit à des détections de nombreux faux résultats positifs et en raison de son caractère irradiant. Cette recommandation a également obtenu un grade B au niveau de la recommandation HAS. Alors, en ce qui concerne l'IRM, c'est plus nuancé. Il n'est pas recommandé à ce jour
de faire une imagerie par résonance magnétique des sinus en première intention dans le cas de, du diagnostic précoce d'un adénocarcinome ni dans celui de son épistage. C'est un avis d'expert. La neuvième recommandation concerne la nasofibroscopie. Alors, beaucoup d'ORL travaillent là-dessus actuellement. Donc, il existe un certain nombre d'arguments. Développement habituel de la tumeur à partir des fosses nasales, visualisation directe de la tumeur, simplicité de réalisation, bonne acceptabilité en faveur du choix de la nasofibroscopie en première intention comme outil de dépistage des adénocarcinomes. Il est recommandé, sous réserve de l'accord du salarié, de faire pratiquer par un spécialiste ORL un examen nasofibroscopique en dépistage ciblé des adénocarcinomes, des sinus et des fosses nasales. Deux fiches d'information sur la nasofibroscopie sont proposées pour les travailleurs du bois qui souhaiteraient une information écrite. Cette recommandation a également obtenu un avis d'expert. Alors, un protocole de suivi a été défini, qui est basé sur les connaissances que l'on a du développement de cette pathologie et sur toutes les observations qui ont été faites, tout ce qui est sorti de l'étude Oudex et tout ce qui est sorti également des études épidémiologiques. Donc la nasofibroscopie doit être proposée au-delà de la 30e année après le début de l'exposition. C'est-à-dire qu'on va dire que pour un apprenti qui a pu commencer à 15 ans, la première nasofibroscopie sera à 45 ans. On devrait effectivement être à peu près, on voit bien par rapport aux survenus de tumeurs, on voit qu'on va être, on devrait arriver à avoir à peu près tout le monde. Il s'adresse à tout travailleur exposé ou ayant été exposé aux poussières de bois pendant plus de 12 mois cumulés. Donc c'est après 30 ans, 12 mois d'exposition cumulée, lors de tâches d'usinage, sillage, fraisage, rabotage, perçage, ponçage, ou lors de toute activité documentée exposant à une concentration de poussière de bois de plus de 1 mg mètre cube sur 8 heures. Pour ces personnes, la nasofibroscopie est proposée tous les 2 ans. Et on voit que cette recommandation est aussi un grade B au niveau de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations suivantes concernent le suivi post-professionnel. Il est recommandé que le suivi médical du travailleur de bois, au-delà de sa vie professionnelle, inactivité, invalidité, retraite, soit effectué par le médecin généraliste et par son correspondant ORL en adaptant la même procédure que celle initiée lors du suivi au cours de l'activité professionnelle. Procédure basée sur le recueil systématisé d'informations cliniques et sur un dépistage ciblé de l'adénocarcinome par nasofibroscopie. C'est un avis d'expert. Ce protocole est proposé dans le cadre du suivi professionnel. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes organisations chez nous. Il appartient à l'intéressé lorsque c'est un affilié du régime général de la sécurité sociale d'effectuer une demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisme spécial de sécurité sociale dont il relève, en produisant l'attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. Mais dans le cas où le salarié n'est pas en mesure de fournir cette fiche d'attestation, la CPAM, donc la caisse d'assurance maladie, devra établir une enquête
pour établir la matérialité de l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de rejet systématique s'il n'y a pas l'attestation. Il y aura par contre une enquête qui sera diligentée pour apporter la preuve matérielle de cette exposition. Donc je me suis trompée tout à l'heure, c'est 11 recommandations, je ne sais pas pourquoi j'étais partie sur 12. Bon, donc si on regarde bien, en résumé, la priorité est donnée aux actions de prévention primaire, hein, ce qui est toujours le principe de base, c'est-à-dire réduction de l'empoisonnement au poste de travail. Information des travailleurs du bois sur les risques, la prévention, le diagnostic précoce, traçabilité individuelle des expositions actuelles et anciennes, ce qui est bien plus compliqué. Et donc, pour la population cible, qui est les personnes en activité ou à la retraite, ayant été exposées ou étant exposées aux poussières de bois, le dépistage doit être proposé pour toutes les personnes qui ont été exposées il y a plus de 30 ans. C'est le temps de latence de survenue des cancers. Donc c'est vrai que c'est très difficile à faire comprendre aux salariés qui sont actuellement exposés et qui sont jeunes que l'on ne fera aucun examen et que le premier examen se fera 30 ans après. Ça, c'est très très difficile à faire comprendre aux gens. Ils ont l'impression que c'est pas normal qu'on ne fasse rien. Or, ces examens qui sont faits en début d'activité ne servent strictement à rien. C'est de l'argent un peu gaspillé, on va dire. Et quand on faisait de la radiographie ou des scanners, c'était des irradiations pour rien tous les deux ans. On a quand même des questions à se poser. Bon, donc il faut attendre 30 ans. Il faut qu'il y ait une exposition cumulée de plus de 12 mois. On a ça dans d'autres recommandations sur les cancers. Hein. Exposition cumulée de plus de 12 mois lors de tâches d'usinage. Ça, c'est assez facile à repérer. Sillage, fraisage, rabotage, perçage, ponçage. Ou lors de toute activité documentée exposant une concentration de poussière de bois supérieure à 1 mg mètre cube sur 8 heures. Ça, c'est très difficile pour les expositions passées. C'est-à-dire que pour les expositions passées, lorsqu'on est sur des tâches d'usinage, sillage, fraisage, rabotage, perçage, ponçage, on sait qu'on peut mettre en place. Pour avoir, pour les personnes, par exemple, qui arrivent aux 30 ans d'exposition aujourd'hui, qui ont pu être exposées pendant 5 ans en début de carrière, c'est très compliqué d'arriver à avoir les éléments. Alors c'est vrai qu'on a la référence de l'étude WODEX qui nous permet quand même d'avoir des niveaux d'exposition en fonction des métiers. On a pour le moment pas de matrice exposition poussière de bois, mais elle est en cours de constitution avec tout ce qui se fait. Et c'est vrai que quand on peut trouver des matrices emploi-exposition, c'est quand même assez confortable parce que ça permet en fonction des activités et des années, par tranche d'une dizaine d'années à peu près, hein, d'avoir des éléments de niveau d'exposition. Et c'est vrai que quand on a des références, pour nous, c'est quand même confortable. Plutôt que de... quand on n'a pas de référence, c'est vrai que c'est difficile pour nous de prendre des décisions. Quand on a une référence, on a quelque chose sur quoi s'appuyer, c'est quand même relativement confortable. Alors cette recommandation... Oh, pardon, j'ai dû aller un peu trop loin. Non, je fais bêtise, j'ai touché deux touches à la fois. Cette recommandation, qui est bien une recommandation de la Société française de médecine du travail, a obtenu le label conjoint de la Haute Autorité de Santé et de l'Institut National pour le Cancer, des recommandations de bonne pratique pour la période 2011-2015. C'est-à-dire qu'en fait, cette validation HAS a été donnée pour cette période-là parce que la HAS a demandé de valider la nasofibroscopie. D'où l'étude Serbois derrière. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en dire grand-chose de l'étude Serbois parce que c'est une étude qui est encore en cours. Je vais quand même vous en dire deux mots. Hein. Alors, le protocole Serbois, alors moi je suis médecin du travail, enfin je ne suis plus, mais j'étais médecin du travail, dans un service inter-entreprise à Bordeaux. Nous avons participé
occupé à la mise en place du protocole serbois, surtout dans la phase de pré-étude, parce qu'un ORL de Bordeaux, qui s'appelle professeur De Gabory, est à l'origine de l'intérêt de la nasofibroscopie dans le diagnostic précoce. Donc nous nous avons fait en préalable à l'étude serbois avec lui des prescriptions de nasofibroscopie dans les mêmes conditions d'ailleurs que celles qui ont été préconisées là, dans la recommandation pour voir l'acceptabilité par les salariés et pour lui permettre aussi à lui de conforter ce qu'il pensait de l'intérêt de cet examen. Ce qui fait qu'on a été peut-être un peu moins actifs dans la deuxième phase parce que beaucoup de nos salariés ayant été introduits dans le premier examen n'étaient plus éligibles pour l'enquête serbois. Alors, cette étude serbois a eu, donc ça s'appelle, hein, c'est une cohorte d'évaluation de la recommandation bois. Et elle a été élaborée par la Société française de médecine du travail et le responsable scientifique du projet, c'est le professeur Christophe Paris de l'INSERM. Donc derrière, il y a beaucoup de monde dans cette étude. C'est une étude d'ampleur qui concerne... où à peu près toute la France a pu participer. Le point impératif, c'était d'avoir un ORL formé à la nasofibroscopie, ce qui était un point qui pouvait être limitant à certains endroits. Il fallait avoir accès à un ORL qui ait une bonne formation à la nasofibroscopie. Et elle a concerné tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, elle a concerné des salariés, donc par le biais des services de santé au travail, mais des retraités. Donc les retraités, par le biais des caisses de retraite, de la caisse primaire d'assurance maladie, pour les contacter. Et elle a concerné également des artisans par le biais du régime social des indépendants. Donc c'est une étude, nous n'avons participé évidemment qu'au suivi des salariés. Et comme on l'a vu, c'est pas dans le suivi des actifs que l'on a le plus de diagnostics. Donc le premier critère de choix de cette étude, c'était de voir quelle serait l'acceptabilité de la nasofibroscopie. Donc c'était l'évaluation de la faisabilité de la surveillance médicale des travailleurs du bois asymptomatiques en cours d'activité professionnelle et de l'adhésion à la réalisation d'une nasofibroscopie dans ce domaine. Donc c'est vrai que ça posait deux problèmes, hein, parce que c'est une enquête épidémiologique, en plus, donc très lourde, avec un questionnaire clinique pour le médecin, un questionnaire professionnel, donc un cursus professionnel complexe qui reprend tous les éléments nécessaires et difficile pour les salariés de chercher dans leurs souvenirs les expositions qu'ils ont eues, les machines sur lesquelles ils ont travaillé, les natures de bois qu'ils ont pu être amenés à travailler. Très chronophage en fait comme travail. Et en plus, ça demandait ensuite aux salariés d'aller en consultation ORL. Et après cette première phase d'inclusion pour les personnes, il y a une deuxième phase d'inclusion 2 ans après, avec le même protocole pour le suivi. Hein. Donc c'était très très lourd et ça a pu perturber le taux de participation parce que les employeurs ont trouvé que leurs salariés étaient immobilisés et inactifs très longtemps, si on peut le dire comme ça. Alors, dans les objectifs secondaires, puisqu'il y a cette étude épidémiologique avec, c'était l'évaluation de la faisabilité du repérage des expositions professionnelles aux cancérogènes nasosinusiens. Alors, effectivement,
Dans le questionnaire professionnel, il y a aussi les autres produits manipulés, hein, formaldéhyde, etc., solvants, etc. Donc tout ça, c'était aussi dans le questionnaire et beaucoup, beaucoup plus difficile à renseigner par les salariés qui ont beaucoup moins de connaissances dans ce domaine de la toxicologie. C'est très, très difficile d'avoir des informations, surtout quand on recherche dans des expositions antérieures. La description des symptômes anormaux repérés par le médecin du travail et nécessitant une exploration ORL, hein, c'est-à-dire toute la symptomatologie qui peut être repérée au-delà des adénocarcinomes d'ailleurs, hein, toute la symptomatologie observée chez les travailleurs du bois. La description des résultats et des examens induits par la pratique de la nasofibroscopie, c'est-à-dire en fait quels résultats on obtient, quels sont les examens secondaires, etc., qu'est-ce qu'on fait ensuite, est-ce que ça crée des choses. L'évaluation de l'adhésion du programme de surveillance médico-professionnelle, l'évaluation du circuit d'information entre les différents acteurs, c'est-à-dire quelle information transmise d'abord à l'employeur, aux salariés, quelle information entre le médecin du travail et l'ORL, quel retour d'information de l'ORL vers le médecin du travail, et in fine, quelle information du salarié, des retours qu'il a pu avoir, si on peut aller plus loin, quel poids sur le collectif de l'entreprise au niveau des démarches, de l'évolution des démarches. Et puis une estimation des coûts induits par ce dépistage ciblé, les coûts directs médicaux, mais aussi les coûts indirects pour l'entreprise. Et on va être honnête, il fallait que les entreprises soient quand même très partie prenante, parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui sont inclus quand on regarde ce qu'il faut, mais les gens qui sont inclus, on les garde longtemps. C'est-à-dire que c'est lourd en temps pour les personnes qui sont incluses dans l'étude. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette étude, ben, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, hein, parce qu'on est actuellement dans la deuxième phase d'inclusion qui a démarré en 2015. Donc, on est en train de faire les deuxièmes nasofibroscopies. Et donc, les résultats, ça sera 2016. Et bon, pour les éléments que l'on a actuellement, la nasofibroscopie devrait être validée, ce qui permettra à la HAS de prononcer sa validation sur la recommandation. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Mais enfin, ce mode de recommandation au niveau de l'exposition aux cancérogènes, il en existe d'autres, puisqu'il y a une recommandation pour l'exposition aux cancérogènes professionnels, exemple des cancers de la vessie, et qui est une recommandation qui est faite de la même façon, hein, et qui a aussi un label HAS-INCA, et sur lesquels on a, par rapport à nos salariés, la même problématique, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a une période pendant laquelle il n'y aura pas d'examen. Ça c'est quand même très très difficile très difficile à faire comprendre. Quand on vient voir le médecin, si on explique un risque, le médecin il va faire un examen complémentaire, il va surveiller, et ça c'est très très difficile d'arriver à faire comprendre aux gens que c'est pas à ce moment-là qu'il faut être surveillé, et que par contre il faut pas qu'ils oublient qu'ils ont eu une exposition aux poussières de bois, parce qu'il faudra penser à les surveiller après. Et ça c'est vraiment très difficile, c'est très très difficile pour le moment à faire passer comme message. Pourtant, c'est là qu'il faudrait qu'on soit bon, si on peut le dire comme ça. Voilà, merci.